depuis la création en 2012, nous avons essayé d'informer, de sensibiliser et de convaincre les décideurs sur l'importance de la participation de la femme au sein des organes de gouvernance. Et nous avons essayé de convaincre sur le fait que la mixité et la diversité est un vrai levier de croissance. Et nous sommes arrivés à en convaincre quelques-unes, mais franchement, c'était très, très timide. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il faut accélérer le rythme, il faut militer plus, parce qu'il est difficile d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir une représentation équilibrée au sein des conseils d'administration et des surveillances. Et donc, à horizon 2022, nous nous sommes fixés des objectifs pour avoir plus de femmes au sein des conseils et pour convaincre les pouvoirs publics et le secteur privé aussi du rôle de la femme pour améliorer la performance et l'efficience des entreprises lorsqu'elles siègent au sein de leurs organes de gouvernance. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.